Bienvenue, imprudent mortel. Il est temps, sans doute, que j'aborde une composante essentielle, semble-t-il, de la sorcellerie moderne, qui est la religion. J'avoue, moi non plus au début, je ne voyais pas du tout le rapport avec la religion pour les sorcières folkloriques. Mais il est peut-être temps que je vous fasse part d'une expérience que j'ai eue avec un livre au début de mon adolescence. Une fois de plus, je ne me rappelle pas le titre, et je ne suis jamais retombée dessus, mais contrairement aux autres bouquins que j'ai déjà évoqués, celui-ci, je ne regrette guère de ne plus l'avoir revu. Je l'avais emprunté à la bibliothèque et j'ai au départ été séduite par son titre. Voyant qu'il était question de sorcière, j'étais certaine d'apprendre beaucoup de choses. J'ai effectivement appris un aspect pour moi totalement inédit, mais je l'ai beaucoup regretté. La magnificence des illustrations de ce livre n'avait d'égal que le côté perturbant du texte, ce qui m'avait marqué. Il était en effet révélé que la sorcellerie c'était rien d'autre qu'une religion païenne. Comment ça, une religion? Quel rapport? Je ne voyais vraiment pas. Dans les contes de fées, ou dans les films fantastiques où j'avais vu du sorcière jusqu'ici, elle n'en avait jamais de religion. Elle ne priait pas, rien du tout, elle se comportait exactement comme des athées. Leur pouvoir n'avait aucun rapport avec ça, et donc je ne voyais pas là non plus. Toutefois, les médias modernes relient avec insistance les sorcières et la Wicca, la fameuse religion païenne en question. Mais d'où cela vient-il? Eh bien, pour une certaine anthropologue, il s'agissait de mettre fin à un mystère. Souvenez-vous ces fameuses sottises auxquelles les juges inquisiteurs ne croyaient pas du tout au départ. C'est-à-dire celle de voler par exemple sur un balai. Elle leur avait été rapportée initialement par des accusés et non pas inventée par les juges inquisiteurs eux-mêmes. Ces derniers au début n'y croyaient pas. En fait, c'est après, à force d'en entendre parler, qu'ils les avaient intégrés à toutes les accusations classiques. Et c'est là qu'il s'agit de révéler quelque chose de tout à fait étonnant. Même menacés de mort, même torturés, même risquant le bûcher, la pendaison, il fut certaines accusées qui jamais ne nièrent être des sorcières, pas même pour sauver leur vie. C'était si incongru que l'anthropologue britannique Margaret Murray, née en 1863 et morte en 1963, voulut mettre fin au mystère et étudia le phénomène. Elle en conclut que les sorcières n'étaient certes pas des satanistes, mais que c'était en réalité des païennes. Qu'elles étaient sincères quand elles disaient être des sorcières, mais qu'être une sorcière n'était pas ce qu'on pensait. C'était en fait être adepte d'un culte disparu. Dans la théorie pan-européaniste de Margaret Murray, il est stipulé que les Celtes croyaient à deux dieux. Une grande déesse, régnant du 1er mai au 31 octobre, et un dieu cornu, régnant du 1er novembre au 30 avril. L'idée de Margaret Murray étant qu'après la christianisation, certains vieux cultes et leurs adeptes auraient eu la vie dure. Selon elle, on fêtait Shamaïn à la Toussaint, au Beltane le 1er mai. C'était les fameuses transitions entre les deux dieux. Il y avait d'autres fêtes d'ailleurs. Elles sont présentes sur la roue du temps de la Wicca. Et ces fêtes s'appellent Ostara au printemps ou Lita au début de l'été. Yule tombant à la période de Noël. Enfin, et toujours selon Murray, les sabbats eux aussi étaient réels. Les sorcières donc se rendaient bel et bien, notamment les samedis, dans des lieux où elles pouvaient se rencontrer et faire certains rituels. Mais il ne s'agissait pas de rencontrer le diable, il s'agissait de prier ensemble, et donc le dieu cornu ou la grande déesse, selon les périodes de l'année. Quand le dieu cornu aurait été décrit aux autorités, ils en auraient déduit qu'il s'agissait du diable, qui a aussi des cornes, dans ses représentations classiques. De plus, il aurait été traditionnel de s'y présenter revêtu du ciel, c'est-à-dire nu.
Donc, des gens tout nus au même endroit, encore une fois, les juges inquisiteurs n'auraient conclu que ça se terminait forcément en orgie, bien que ce n'était pas censé être le cas, et qu'il s'agissait donc de copuler avec le diable. En entendant tout cela, ils auraient fait de toutes ces prêtresses païennes secrètes et adoratrices de la nature des satanistes. Dans les années 1940, l'écrivain ésotériste Gerald Brosseau Gardner relut la fameuse théorie de Margaret Murray. Il fut séduit par cette dernière et baptisa la religion dont il était question Wicca, un terme qui veut dire connaissance. Il remit aussi la religion qui était décrite donc au goût du jour en devenant lui-même un adepte, et il y en a eu bien d'autres après. En tant que francophone, vous n'avez peut-être jamais entendu ce mot, mais il est très courant en pays anglo-saxon. Il est écrit sur absolument tous les livres d'ésotérisme, ce qui n'est pas le cas en France. J'ai pu remarquer que parfois ce mot saute quand un livre de magie anglo-saxon est traduit en français. Toutefois, la majorité des livres vendus comme étant de sorcellerie aujourd'hui, même en pays non anglo-saxon, relèvent en réalité de la Wicca. On les reconnaît en ce qu'il n'y ait jamais question de potions, et ce que les formules y réfèrent souvent à des dieux ou à des déesses païens, que très souvent il faut allumer des bougies ou et de l'encens, que les bougies sont de diverses couleurs, qu'il faut user de cristaux, de calices et d'atamés, qui sont des sortes de dagues, et qu'il faut également élever des autels. Convenons-en, on est très loin du chaudron, de la baguette et du balai. Leurs symboles sont la triple lune, la triquetra celtique et le pentagramme à l'endroit. Il n'y est pas question de magie, mais de magique, c'est qu'à la fin. Les Wiccans expliquent le lien entre sorcières et balais en ce que eux s'en servent pour balayer les influences négatives au sol, je cite, et qu'ils récitent des rituels en extérieur tout en étant parfois vêtus du ciel. Le chiffre 3 est pour eux sacré. Vous me direz, c'est aussi le cas pour les chrétiens et la Sainte Trinité. Mais dans le cas de la Wicca, c'est peut-être une référence aux trois formes de la déesse mère. Rouge, blanche et noire, séductrice, jeune et vieille. On pense, sans en être évidemment certain, que toutes ces statuettes retrouvées sous la préhistoire et représentant des femmes rondes étaient en fait des représentations de cette déesse mère qui se confond avec la terre. Les Wiccans récitent souvent « par le pouvoir de Troie, par Troie ». J'ai vu des représentations de la roue du temps sous lesquelles les chrétiens étaient traités d'ignorants parce que ils fêtaient des célébrations dont à l'origine la date avait été fixée par ces fameux païens. Il est vrai qu'on voit des correspondances dans les dates. Yule est proche de Noël. Imbolc, lui, a sa date qui tombe à peu près en même temps que la Chandeleur. Ostara est proche de Pâques. Et si aujourd'hui, pour nous, le 1er mai n'est plus que la fête du travail, il y a eu des célébrations plus importantes et plus en rapport avec la nature, comme les élections de Reine de Mai, au moment de Beltane. L'État est devenu la fête de la musique, mais fut un temps, c'était celui des feux de la Saint-Jean. Vous savez tous que Shamayn, devenu Halloween, la Toussaint est la fête des morts. Tout ceci est clair, propre, rationnel et explique tout scientifiquement, de la croyance aux sorcières au fait qu'elle fut pourchassée par des gens pourtant doués de raison. Donc, ces sorcières n'étaient-elles donc que les paisibles adeptes d'un culte oublié ? Pas si vite. Cette explication satisfait les plus cartésiens, mais moi, pas du tout. Nous ne savons pas vraiment d'où Margaret Murray sort avec tant de précision sa fameuse déesse mère, même si, comme je le dis, elle était déjà connue sous la préhistoire, mais nous ne sommes même pas certains qu'on lui rendait un culte. Elle ressemble aussi à la Déméter grecque, mais c'est son seul rapport avec une mythologie connue. Le dieu cornu, je vous l'ai dit, a tout du dieu Cernunnos, des Gaulois qui avaient une tête de cerf. Et vous devez savoir aussi que le panthéon des Celtes était en fait très complet. Il comportait beaucoup de monde, Taranis, Deutates, parce que c'est comme cela que ça se prononce en réalité,
Belenos, Belisama, Lug, Epona, Dagda, Esus, etc. Nous ignorons s'il y a une mythologie qui leur est rattachée. En effet, contrairement aux dieux gréco-latins, nous ne connaissons pas de récits qui les impliquent. Mais nous savons à peu près à quoi ils ressemblent, ce qu'ils protégeaient et les cultes qu'on leur rendait. Ensuite, affirmer que tous les païens étaient peace and love, pas vraiment. On le sait depuis The Wicker Man, bien sûr, et voyez la vidéo que j'avais consacrée au dieu d'Osier, mais ce n'est pas tout. Dans ce dernier, nous savons que les Gaulois pouvaient avoir des sacrifices sanglants, même si seul Jules César l'affirme. Les sorcières satanistes existaient et existent encore. Je vous avais évoqué Catherine Monvoisin et Hécate. Donc oui, elles peuvent être satanistes malgré tout. On connaît surtout la Wicca dans l'influence des pays anglo-saxons et des États-Unis en particulier. Mais vous remarquerez que certaines sorcières dans des pays différents tels que les Tziganes, les Asiatiques ou les Mambo, c'est-à-dire les sorcières vaudou, ont des rituels qui n'ont rien à voir avec la Wicca. En parlant de celle-ci, je me suis longtemps demandé si elle n'avait pas été parodiée dans un des Picsou magazines que j'avais lu. C'était en VF, donc ça ne permettait pas de le dire. Mais Mystique, la sorcière noire, a voulu un jour passer incognito dans une BD en tant que sorcière, vêtue de rose, couronnée de fleurs, et déblatérant des choses mystiques sur l'aura et la nature. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si elle jouait aux caricatures de Wiccan, qu'elle devait trouver risible en étant une sorcière traditionnelle. Quant à l'album qui m'a fait connaître l'existence de tout ceci, je vous prie de le croire, il était extrêmement violent envers les chrétiens qui l'accusaient d'avoir fait du lavage de cerveau en Occident. Et les victimes des persécutions étaient toutes présentées comme de pauvres Wiccans persécutés et torturés. On fait l'impasse, je pense, sur celles qui n'avaient rien à voir avec tout ça et qui étaient innocentes. J'avais dit aussi que sous la roue du temps, on pouvait accuser les chrétiens d'être ignorants, enfin bref. On comprend aussi en quoi la grande déesse séduit, car c'est à la fois une figure féminine, donc féministe, et elle est proche de la nature, ce qui est écolo. Toutefois, je rappelle à toutes fins utiles que la moitié de l'année est censée être dominée par un dieu qui est bien masculin, et ce n'est pas tout. Le dieu judéo-chrétien, je vous l'apprends peut-être, a en lui une part féminine, qui s'appelle Sophia, et qui fut vue par saint Hildegarde de Bingen, qui l'a décrivit ensuite. Alors oui, on l'appelle notre père parce qu'il faut bien l'appeler, mais il a cette part féminine et maternelle, le fait est peu connu. Quant aux célébrations, qui rappellent les célébrations chrétiennes actuelles, eh bien c'était vrai en partie. C'était pour éviter les célébrations par habitude des fêtes et rituels païens qu'après la christianisation, on fixa les fêtes ces jours-là. Tout le monde sait que Noël fut célébré au solstice d'hiver des Romains, car il célébrait le soleil qui rôdait invaincu. Celui-ci était censé mourir au moment de Shamaïn. Donc, on passait de moi dans une obscurité angoissante qu'il fallait conjurer. Il semble même que certains rituels aient été empruntés, comme le fait que les gens décoraient et s'offraient des œufs à Ostara, symbole évident de fertilité. Pour faire coïncider avec la signification de Pâques, les religieux racontèrent qu'un œuf est une sorte de tombe qui contient une vie qui finit par en surgir, comme quand le Christ ressuscite. De la même façon, on a juxtaposé les lieux de culte chrétiens avec les lieux de culte païens. Il y avait des lieux comme des arbres, des fontaines ou des menhirs, où les gens venaient en pèlerinage pour exaucer un vœu ou faire cesser leur infertilité par exemple, et continuer de s'y rendre par réflexe pour solliciter une guérison même après être devenu chrétien. Donc, pour expliquer la propriété des lieux, on consacra ultérieurement les lieux concernés aux fées ou à la Vierge Marie, par exemple. Il suffit de lire le pénitentiel de Burchard de Worms, résidé en l'an 1000, pour se rendre compte que pas mal de superstitions avaient la vie dure. C'est pourquoi il donne des pénitences sévères pour chacune d'elles quand elles s'apparentent à un rite païen. Vous remarquerez que
Païen vient du terme paganus qui signifiait paysan en latin. Pour les paysans, la roue du temps, qui est le suivi des saisons et le suivi des récoltes, et ils cherchaient toujours à s'assurer la meilleure récolte possible par des rituels, même si ceux-ci peuvent sembler abstraits. C'était pour eux très important. Il faut avouer que tout ça n'a plus guère de sens aujourd'hui. On s'assure toujours de bonnes récoltes par le biais des engrais et des pesticides. La proportion des agriculteurs dans la masse des travailleurs n'a cessé de baisser jusqu'au XXIe siècle. Tout le monde presque ne l'est plus, loin de là. Et ça a toujours été beaucoup plus facile d'être monothéiste quand on vit en ville. Il est bon de constater quand même que certaines religions païennes antiques avaient quand même un rapport avec certains rituels magiques, certaines habitudes dont il est question dans la Wicca. Par exemple, les Grecs voyaient trois visages à la déesse de la lune. Artémis ou Diane, qui est la chasseresse, Sélénée, qui conduisait l'astre, et Hécate, connue pour être la déesse de la sorcellerie. Les Romains les ont parfois rassemblées sous le terme Trivia, déesse de la magie et des carrefours, avec trois visages. Les Celtes aussi vénéraient une déesse à trois visages, connue sous le nom de Brigide. Ils la célébraient aux alentours de Imbolc et lui fabriquaient des croix en paille un peu spéciales. Plus tard, en Irlande, la fête de Sainte Brigide, une sainte patronne de l'île, fut placée au jour d'Imbolc, elle aussi. Et on continuait de lui tresser des croix, mais qu'on appelait cette fois-ci les croix de Sainte Brigide. Le néopaganisme symbolise ces déesses triples avec deux croissants liés à une lune pleine. Depuis, on appelle ces aspects les trois faces d'Ève, alias les trois destins traditionnels pour une femme, la Vierge, la Mère et la Séductrice. On parle de ces faces quand, au sein d'un trio féminin, l'une est sage et maternelle, une autre est une innocente jeunette et la dernière une séductrice indépendante. Dans le surnaturel, il est aussi parfois question des sœurs Hécate, c'est-à-dire une naïve innocente, une rigolote, parfois un peu enveloppée, une des abusées plus âgées, du moins comportement. Enfin, on parle des sœurs étranges, quand des femmes qui ont des dons surnaturels sont trois, et il faut remarquer que c'est très souvent le cas. Ce fut, comme je vous l'ai dit, une surprise d'apprendre qu'on associait les sorcières au paganisme, mais au final, je n'ai vu que très peu d'œuvres de fiction où cela est dit explicitement. Charmed, c'était l'une des histoires qui retenait le plus d'éléments de la Wicca, notamment parce que les sœurs Halliwell appelaient le grimoire le livre des ombres, et c'est d'usage dans le néopaganisme. Certains mariages et enterrements sont célébrés par des prêtresses, mais d'un autre côté, les deux plus jeunes sœurs vont se marier à l'église. Quand les trois sœurs voyagent au XVIIe siècle, elles sont accueillies par des proto-prêtresses qui leur disent que leurs chapeaux pointus servent à attirer les forces de l'univers. Et une fois de plus, elles se servent de balai pour simplement chasser les influences. Mais ça n'empêche pas Phoebe de grimper sur l'un d'eux et d'user de son don de lévitation. Toutefois, contrairement à ce que disent les sœurs, ça m'étonnerait qu'un tel cliché ait été créé à la suite d'une unique vision de sorcière volante. Le premier épisode de la saison 2 montre Piper et Phoebe invités à une cérémonie Wicca pure et dure. Les participantes sont revêtues du ciel, ce qu'initialement, Piper refuse légitimement de faire. Notez bien que par la suite, les sœurs ne recommenceront jamais. Ça peut être préconisé par le néopaganisme, cette pratique apparaît plutôt rare, à cause des risques d'attentats à la pudeur. Enfin, un jour, elles protégeront une sorcière propriétaire d'une boutique ésotérique, qui, chez elle, voudra chasser les ondes négatives et ranger les herbes dans le bon temps. Bref, c'est une vraie Wiccan. C'est une sorcière, mais pas comme nous, diront les sœurs. C'est vrai, en fait, on peut totalement douter qu'elles soient des Wiccans authentiques. Comme je l'ai dit, elles ne sont allées qu'une fois à une cérémonie traditionnelle, et pour le reste, elles semblent être totalement athées. Le film Dangereuse Alliance y fera aussi allusion. Les sorcières usent un atamé. Mais ce qui est très étrange, c'est qu'elles disent adorer un mélange de Dieu et du diable qui s'appelle Mammon. Sauf que, sachez-le, Mammon, c'est en réalité un démon. En tout cas, c'est le nom que porte l'un d'eux.
Tout cela est très curieux quand on sait que l'une des actrices, Firouza Balk, est une authentique Wiccan, et qu'elle avait déjà joué une sorcière, Amandine Malaboul, dans un téléfilm en 1986. On aurait pu penser qu'elle aurait pu jouer les conseillères techniques, mais si elle l'a fait, on de la guerre écoutée. Nulle part, je n'ai jamais entendu parler d'un culte de Mammon, qui est un démon, je me répète encore une fois. Rien à voir avec Dieu, mais aussi avec le diable. Ou avec une quelconque grande déesse. Seule la présence d'un atamé et d'un calice relie quelque peu les sorcières à ces pratiques, ça et le fait qu'elles invoquent également la nature et y font leur rituel. Dans la suite lointaine The Craft, les nouvelles sorcières, le nouveau quatuor, donc, fait un jour une courte prière à une déesse, mais c'est tout. À part ça, elle n'en parle jamais et semble surtout se reposer sur elle-même pour obtenir des pouvoirs. Mammon est citée, mais par leur ennemi. Ce n'est plus du tout elle qui l'adore. Donc le quatuor se suffit à elle seule.